Bien le bonjour à tous. Un jeu vidéo reste différent l'un à l'autre pour présenter son petit univers. Parlons de Run Saber, un action platformer sorti en 1993 et développé par Orisoft et édité par Atlus. Le titre nous présente le Dr Gordon Bruford, un savant fou ayant pris possession de la planète en 2998. La population mondiale vivant en dehors de la Terre décide d'employer 3 robots pour balayer les forces maléfiques. Mais un cyborg sera reprogrammé par le docteur qui rejoindra son camp. Ainsi, nous pourrons contrôler que 2 personnages, se prénommant Shayna et Alan, qui mèneront leur mission dans 5 régions différentes du monde. Composé par Hikoshi Hashimoto, le soft nous propose des musiques entraînantes avec des graphismes typiques de la Super Nintendo. Regardons d'un coup d'œil cette excursion. Maîtriser la maniabilité du titre vous demandera peu de temps, car la clé pour arriver à la fin sera de bien observer la position des ennemis et de ne pas foncer tête baissée tout en utilisant à bien la super attaque et la glissade lors des combats. Le jeu possède 3 continues avec 3 vies chacun en mode normal pour pouvoir terminer cette aventure. Certains items nous donneront la possibilité de récolter de la santé supplémentaire, ou encore de gagner un orbe rouge pour enclencher la super attaque. Les boss vous demanderont peu d'efforts pour les battre, possédant un pattern simple. Pour conclure, Run Saber reste une aventure sympa à parcourir malgré une durée relativement courte, avec une OST très réussie. Merci pour cette petite détente, je vous dis à la prochaine et à tout bientôt! Thank you.